Alors, un acteur, il couche. Un comédien, il travaille. C'est-à-dire, Élise, c'est un acteur. Et vous? Moi, je travaille. Donc vous êtes un comédien. Je suis un comédien. Mais malgré moi, car je suis vilain, donc je ne peux pas être un acteur, car personne ne veut coucher avec moi. Quand même, à comédie, vous avez pas mal couché. Non? C'est mon personnage qui rigole. Moi, je ris pas du tout, là. C'est pas possible. Non, 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 non! Monsieur Marcadet, oui. Oh non! Hey, monsieur Claude, je sais, il est 4h du matin, mais là, c'est très important ce que j'ai à vous dire. Vous êtes le seul voisin à qui je peux me confier et poser des questions. Monsieur Marcadet, mais qu'est-ce que vous faites dans mon lit? Oh, ça va, vous allez réveiller votre femme! Il m'arrive quelque chose de très grave, et... Monsieur Marcadet, vous avez vu l'heure? Mais ça va, je suis pas aveugle. Donc, voici... mon problème, voilà, je compte devenir hacker d'un téléphone à caractère portable. Oui. Et je suis très dans l'embarras car mon revendeur agréé me propose différentes sortes de types de forfaits. Alors voici ma question. Quelle est la différence entre le forfait lune et le forfait pleine lune? C'est pour ça que vous m'avez réveillé. Bon, le forfait pleine lune, c'est les heures creuses et le week-end, et le forfait lune, c'est les heures creuses seulement. Oui. Oh, quoi, vous avez les pieds froids. Alors, autre question. Qu'entendez-vous par heure creuse? Est-ce que ce sont des heures où, bon, il faut que je dise que des banalités, que des choses creuses Non, pour ça, vous n'avez pas besoin de portable. Bien. Alors, autre question. Ça suffit. Ça suffit. Laissez ma femme tranquille, hein, maintenant. Alors, autre question. Oui. Est-ce que si j'achète un forfait, est-ce que je suis obligé d'acheter un portable? Ça dépend si vous avez déjà un portable. Non, je n'en ai pas. Bon, bah alors dans ce cas, c'est souhaitable d'avoir un forfait. Enfin, sinon, vous ne pourrez pas passer ni recevoir d'appel. Est-ce important de passer ou de recevoir des appels? Vous êtes moche. Bien. Alors, où j'en étais? Oui, alors voilà, autre question. D'où vient cette odeur âpre qui passe acre. Par... C'est une odeur acre. D'où vient cette odeur acre? C'est une odeur acre qui sort à travers la couette. Petit A de vos pieds, petit B de votre anus. Ça suffit, monsieur Marco. Bien. Autre question. Quelle est la différence entre le forfait 5 heures et le forfait 3 heures? 2 heures. Non, il n'a pas compris ma question. Bon, alors je la repose, c'est pas grave. Quelle est la différence entre le forfait 5 heures et le forfait 3 heures? Et moi, je vous réponds que la différence est de 2 heures. Ah, mais il est têtu, hein? Je ne veux pas du forfait 2 heures! Bon, c'est pas grave, on met ça sur le compte de la fatigue. Claude, non, pourquoi tu t'épiles le pubis? Oh là là. Ah ben c'est vrai que c'est pas la toundra là-dessous. Hein. Bien. Alors, donc où j'en étais? Oui, j'ai envie de... Juste une seconde. Hein. Qu'est-ce que vous faites? J'ai besoin d'affection. Bon, arrêtez. Monsieur Marcadet, faites-moi plaisir. Ah bon, bah d'accord. Non, ça suffit. Sortez maintenant. Vous sortez. Bien. Au revoir. Au revoir. Oh non, 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 oh non, 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 oh non. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Marcadet? Qu'est-ce qui se passe encore? Je ne veux pas sortir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dehors, il fait froid. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va passer la nuit à trois dans ce plumard? Ah bah non, c'est pourquoi je vous demanderai de vous mettre dans la chaise. C'est non, rendez-moi. Fermez.
Bon, monsieur Marcadet, faites-moi plaisir. Maintenant, vous sortez, vous partez. D'accord, mais d'accord. Tiens. Juste, je lèche un petit peu l'oreille de votre femme. Non, 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 vous laissez ma femme tranquille. Allez, et voilà. Ah bah, ça rebondit pas pour un matelas. C'est normal, vous êtes sur ma rotule. Oh, pardon. Fermé. Oh là 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 là. C'est fermé. Non, c'est ouvert, on est au théâtre. Au revoir, monsieur Marcadet. Oui, monsieur Marcadet. Oh, vous m'avez reconnu. Oui, bon alors. J'ai une question, mais je vous préviens, c'est la dernière. Hein. Alors voilà, si je téléphone avec mon portable chez vous, est-ce vous qui paierez ou est-ce moi qui paierai? C'est vous qui paierez. Oh là là, bah, je file vite parce que ça va me coûter une fortune. Monsieur Marcadet. Oui. C'est ça votre chute? Bah ouais, c'est une chute SFR. C'est tout ce qu'il y a de mieux en ce moment. Moi, j'ai une chute familiale à vous proposer. Ah, d'accord, allons-y. Mike, je suis ton père. Oh, papa! Est-il difficile d'être peintre en bâtiment quand on est aussi con l'un que l'autre? Putain. Ah! C'est juste ça. C'est ça. Jérôme? Victor? Jérôme? Victor? Oui! Oui! Ouais! Allez, Jérôme! Hop là! Jérôme? Lâche-moi! Jérôme? Jérôme? Oh, Jérôme... Allez, merde. Jérôme, 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 Jérôme. Jérôme. Qu'en est-il dans sa luste? Qu'est-ce qu'il y a? Là! Jérôme? Non! Jérôme! Arrête! Oh! Arrête! Oh là! Arrête! Oh, je m'en vais! Arrête! Qu'est-ce qui nous arrive? Non, c'est pas facile d'être peintre en bâtiment quand on est aussi con l'un que l'autre. Gwynette, bonjour. Bonjour, Mauricienne. Fribourg, bonjour. Bonjour, Mauricienne. Amy Plégienne, bonjour. Bonjour, Mauricienne. Bonjour, Patriste. Bonjour, Mauricienne. Bonjour, Jean-Marise. Bonjour, Mauricienne. Bien, avant de commencer la thérapie, j'aimerais vous entreprendre d'une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Ce matin, comme tous les matins, je disais donc ce matin,
ma femme, qui est norvégienne, a accouché. Oh. Voilà. Et j'ai remarqué que mon petit enfant qui venait de naître était tout noir. Alors je me suis dit, tiens, Mauricienne, tu n'es pas le papa. Alors j'ai eu un petit peu de cafard. Et puis je me suis dit, mais enfin, Mauricienne, il y a des choses plus graves dans la vie, hein. Il faut positiver. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma femme dans mes bras, je l'ai portée contre mon cœur et je l'ai balancée par la fenêtre. Voilà. C'est bien. C'est bien d'applaudir. Bien. La thérapie va pouvoir commencer. Hémiplégiane, expose-nous ton problème. Hémiplégiane, 35 ans, célibataire. Je me marre toujours aux éclats. Ce n'est pas un problème, ça, c'est plutôt une qualité. Je t'en félicite. Ah oui, quand même. On voit toute la mâchoire, là. Hein. C'est bien. Très bien. Comté, c'est à toi. Non, Fribourg. Pas Comté. Je m'appelle Fribourg. Je m'appelle Fribourg, pas Comté. D'accord, je me suis trompé. Excuse-moi, c'est à toi, Fribourg. Pas Comté. Je m'appelle Fribourg, 35 ans, célibataire. Mm-hmm. Je suis très susceptible. Pourquoi est-ce qu'elle rit, là? Pourquoi est-ce qu'elle rit? C'est parce qu'elle me prend pour Jean-Marie Prolier, c'est ça? Tu te contrôles, Fribourg. Tu te contrôles, s'il te plaît. Contrôle? Pourquoi contrôle? Vous êtes au courant que j'ai eu un accident de tour de contrôle, c'est ça? Gwynette, c'est à toi. Gwynette, 35 ans, célibataire, chiale tout le temps. D'accord. Stop! Voilà, c'est bien d'être obéissante. Lève-toi, je vais te féliciter. Mets tes mains en obol, comme ça. Parfait. C'est bien. C'est à toi, pas triste. Oui. Pas triste, 35 ans, toujours de mauvaise humeur. Oh. Tu n'es pas content d'être parmi nous? Bah si, je suis content. Ah bah alors tu vois. Alors tu vois, je t'emmerde. Bien. Jean-Marise, c'est à toi. Oui, Jean-Marise, 35 ans. Célibataire, fait des doigts tout le temps. Oui, très bien. Très bien, c'est bien, voilà, c'est bien, parfait. Ça, voilà, ça c'est le trou de la dame, c'est ça, très bien. Tu t'assois, Jean-Marie. On a vu ton doigt, tu peux le ranger. Parfait. Bien, moi je vous propose maintenant de faire... Eh bien, il faut rire, c'est important. Hein? C'est bien, rions. On s'arrête, parfait. Quel rire de merde. Alors, moi, je vous propose à présent de faire un exercice de théâtre, parce que je pense que le théâtre peut être une excellente thérapie. Alors, moi, j'adore le théâtre. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donner à chacun un surnom qui ciblera bien son problème. Alors, toi, tu vas t'appeler Chial Girl. Toi, Paranoman. Toi, Rire de Tapette Man. Doiman. Eagle Man. Et vous, vous allez vous appeler comment, vous? Je m'appelle Hildeman, les gens disent de moi. Bien. Maintenant, nous allons tous jouer des situations qui vont vous permettre de canaliser votre problème, d'accord? Bon, alors on va commencer par Gullman et Shell Girl. Un homme attend le bus. Une personne vient lui demander l'heure. En piste. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Très bien, c'est bien ça. Est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? Mm-hmm. Oui, j'ai l'heure, s'il vous plaît, oui. Alors, quelle heure est-il? Il est l'heure que je t'emmerde, connasse. Ah, tu te calmes. Tu te calmes, Gullman. Tu t'assois, voilà. Tu t'assois, on se calme, c'est pas grave, ça peut arriver, très bien. On s'arrête. Oui, très bien. Voilà, on le reconnaît. Oui, je le reconnais. C'est le trou de la dame. Je le reconnais. Tu te calmes, s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'elle a rigolé, là? C'est parce que je suis moche, c'est ça? Bon, maintenant, vous allez vous calmer, bande de cons du cul! Bien. Alors, deuxième situation.
Paranomane, doigtman. D'accord ? Bien, un homme est au restaurant, il commande à un serveur. Ambiance feutrée, c'est à vous deux. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous sers à manger, qu'est-ce que vous voulez manger ? C'est bien. Je sais pas, je veux manger. S'il vous plaît, attention. Voilà, parfait. Bien, la séance est terminée, je suis content, on a bien travaillé. Hein, on a bien travaillé. Je vais vous demander de vous lever. Voilà. Non, 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 rasseyez-vous. Maintenant, vous pouvez vous lever. Parfait, donnez-vous la main. Embrassez-vous. À présent, sortez. Vous sortez? Vous sortez? Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Je crois en lui, et comme lui, c'est moi, je crois en moi. Alléluia ! Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, ce soir, devant les vos yeux, un être extraterrestre va s'adresser à vous. Non, vous ne rêvez pas. Je vous demanderai simplement, mes frères et mes sœurs, de ne pas crier et de ne pas faire de gestes brusques. Veuillez accueillir en silence Zazon le Némurien. Mes frères et mes sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que je parle couramment le Némurien. Je vais donc m'adresser à lui et je vous traduirai ses propos. Tout d'abord, sois le bienvenu, mon frère venu du ciel. Je traduis. Mes frères et mes sœurs, Zazon le Némurien me fait vous dire qu'il vous souhaite, de la part de son peuple, ses meilleurs vœux de paix, de prospérité et d'amour. Alléluia ! Alléluia ! À présent, mon frère, quel message es-tu venu nous apporter ? Je traduis d'abord. Mes frères et mes sœurs, ce que vient de dire Zazon est de la plus haute importance. En effet, mes frères et mes sœurs, il paraît que des peuples de nations interstellaires sont en train de fondre sur la Terre afin de nous réduire en esclavage. Fonds ! Mes frères et mes sœurs, Zazon réclame de l'argent. Il veut des fonds afin de sauver notre planète. Donnons-lui ce qu'il réclame. Alléluia ! Alléluia ! Oui ? Fonds ! Tu as quelque chose à ajouter, Zazon ? T'es sûr ? Quoi ? Mes frères et mes sœurs, Zazon, normalement, doit me dire... Que... Bien, c'est ça. Zazon me fait vous dire qu'il est important que vous fassiez vos sketchs au nom de l'ordre... Au nom de l'église évangéliste du Saint-Rédempteur et que vous déposiez vos chèques à l'entrée. Mes frères et mes sœurs, pour Zazon, merci. De rien. Enfin, mes frères et mes sœurs, à présent, je suis obligé de vous quitter car on m'attend au dîner anniversaire de Christophe de Chavannes. Allez en paix, allez bon vent, musique, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
pensez-vous de Maurice Barthélémy? C'est difficile de... Le problème, est-ce qu'on peut parler des grands malades comme des gens normaux? Parce que, bon, avec sa maladie au cerveau qu'il a depuis maintenant, qui évolue de plus en plus depuis 2 ans, c'est difficile d'en parler. Parce que ses absences... Parler des absences de Maurice Barthélémy? Les absences de Maurice Barthélémy, oui. Des moments, il oublie. Et puis, il surjoue, il en fait des caisses. Mais ça, je crois que c'est lié à son problème de cerveau, parce qu'avant, il jouait complètement normalement. Puis maintenant, c'est une horreur, quoi. C'est une horreur. Donc, on est obligé, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des séances d'enregistrement de sketch. On fait croire que c'est en direct, mais ça ne passe nulle part, quoi. C'est pour lui faire plaisir. Il faut bien s'occuper de lui. Allez, 1, 2, 3, Jacinthe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Bonjour. Oui, Jacinthe. Excusez-moi, je suis Élise Liseré, Henri Tubano. Voilà, je vis seule comme une bonbonne de gaz chez un marchand de légumes. Et en fait, j'aimerais apprendre à danser pour me rendre un peu plus séduisible. Est-ce que vous serez possible... Je cherche avec qui je peux un petit peu vous assortir. Monsieur, s'il vous plaît. Vous savez valser un petit peu, beaucoup, passionnément? Un peu. Alors, on se met en place. Attention, Jacinthe, comme ça. Allez, la main. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Mesdames, allez, oh! Essayez d'être un peu plus gracile, mesdames. Sophie! Ressaisis-toi, on dirait une mouche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, partez! Pardon, je vous demande pardon? Non, non, rien. Vaut mieux s'asseoir pour regarder, ça sera plus commode. D'accord, on va s'asseoir, puis on va regarder. Hein, Marcel, viens par là. 1, 2, 3. Bonjour. Bon, Jacinthe, merci. Bonjour. Mademoiselle. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Mademoiselle. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Faites comme si on n'était pas là, hein, continuez. Allez, Jacinthe, merci. 1, 2, 3. Bon, j'ai l'impression que ces messieurs ont envie de participer, je me trompe? Non, non, on veut juste apprendre à danser. C'est pour moi, c'est bâtard. Bon, faut que je joue ma femme. Hein? Mais je veux déjà baisser son cul. D'abord, faut que je la trouve, faut que je son cul. Après, moi, je vais on va danser. Alors moi, je lui dis viens. Et puis après, je la pose au cul, je suis au cul, après je l'époux, me princesse. Ouais, tu t'y connais, tu nous apprends, c'est pour le bal des célibataires. Oui, bien sûr, vous savez valser? C'est pas compliqué, hein, regardez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, partez! Non, c'est quoi ça, partez là? Mais non, c'est la même blague que je t'ai fait tout à l'heure. Ah oui. Bon, monsieur, je peux vous emprunter, mademoiselle? Venez, s'il vous plaît, tiens-vous. Vas-y, Marcel, vas-y. Allez, on va peut-être lâcher ça. Passe ta bière, Martin. Bon point. Bon point, ma bière. Marcel, s'il vous plaît. Bonjour. C'est bon, vous la tenez comme ceci. Jacinthe, merci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hé, Marcel. Bonjour. 3, 1, 2, 3. Tu lances comme un âne qui broute dans un pré, ou bien 3, 1. Oh, c'est quoi cette affaire, là? Mais non, je me mens, non. Je me mens, tu vois, toi. Le qui dit 1, 2, 3, toujours on est mort, moi. Et elles sont fortes. Hein? Elles sont fortes, tu me gênes, tu sont fortes. Allez, on reprend, s'il vous plaît. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, là, je les mange, moi, pas danser avec elle, sans faux. Sans faux, je t'aime pas, je veux pas toucher ton cul. Bon, monsieur, s'il vous plaît. Présent. Alors, attention, on se tient pas comme ça, n'est-ce pas? Jacinthe, on y va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Égale, Marcel, regarde! Égale! On arrête. Oh non, fais! C'est bien. C'est bien, mais c'est pas ça du tout. Ah bon? On en aura pour 17 ans à vous apprendre la valse. Vous savez danser le slow? Bouf. C'est pas compliqué, c'est très aisé. Vous mettez deux par-deux, s'il vous plaît. Allez, on se met corps à corps. Monsieur, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Avec qui je danse? Allez, mettez-vous deux par deux. Oh. On se met corps à corps, gentiment. Bonjour. Le corps qui ondule dans le rythme. Attention, vous regardez, c'est comme ceci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1. D'accord? Jacinthe, un slow.
Non. Comme ça, c'est la lambada. La main. Tu prends. Encore. Je t'aime. Je t'aime. Je veux t'épouser. Wow. Viens avec toi. Viens chez moi. Viens chez moi, des poules. Puis sois en âge, je t'aide. D'accord. Quoi? Je t'aime. Mais arrêtez! C'est personnel les fesses, non mais ça va pas! Oh, tu restes ou quoi? C'est personnel, c'est personnel, toi! C'est quoi ce bordel là? Oh! Enfin, non, restez tranquille maintenant! Pourquoi? Fais danser! Assieds-toi, Sophie. Marcel! On va reprendre tous les deux, on se met ensemble, je vous montre. On va danser ensemble? Comme ceci. Vous avez vu? On se met là. Comment? On se met comme ça. Et tu fais la fille, Marcel. Non, non, toi. Non, toi, la fille, d'abord. Non, toi, ouais. T'en fais la fille. C'est pas compliqué. On te bat, moi. On se met comme ça, regardez. Jacinthe. 1, 2, 3, 4. Plus bas. Oh non. On bouge pas. On bouge pas. Oh, mais la moto, mon doigt! Je mets une tapette, moi! Je mets une tapette, hein! Oui, bah, moi, je suis une tapette, c'est ça. Quoi? Bah, oui, depuis que je vous ai vu, je rêve que d'une chose, c'est de mettre votre petit cul dans ma petite main, comme ça. Oh, le pédé horizontal! Attends, mais je mets pédé horizontal! Eh, pédé horizontal! Comme ça, on fait. Eh, pédé horizontal! Eh, enculeur de poule! Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'est-ce que j'ai entendu? Alors, là, tu vas voir, c'est enculeur de poule! J'en ai pas de facile comme ça, moi! Tiens, laisse-moi, Marcel! Laisse-moi, enculeur de poule! Casting pour le film Les trois couleurs de l'eau sont bleues, rôle de Schlepka. Suivante. Bonjour. Oh, c'est marrant, il y a une caméra. C'est pour me filmer. Non, non, c'est pour filmer la chaise. Ah. Bon, vous vous appelez? Je m'appelle Marie-Pierre, Marie-Pierre. Bien. Alors, Marie-Pierre... Ah ben non, vous vous trompez parce que mon prénom, c'est pas Marie, c'est Marie-Pierre, parce que mon famille, c'est Pierre, Marie, Pierre, Marie. Votre âge? Le mien? Bah non, celui de votre voisin. Ah bon, bah alors là, faut que je retourne Porte-Saint-Martin. Non, 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 allez, asseyez-vous. Dis donc, vous êtes... Ah non, attends, si je m'assieds, c'est moi qui vais être filmée, ce sera plus la chaîne. Dis donc, vous êtes un peu nigaude, non? Oui. Mais bon, pas qu'un peu. Dans quoi avez-vous tourné? Ah, oh, j'ai tourné dans Vacances à la boule. C'est de qui, ça? C'est de mon père. En fait, bon, mais c'est un film qu'on a tourné l'été dernier quand on était en vacances. Bon, mais c'était à la boule. Bien. Alors, on va commencer les essais. C'est pour un film à caractère intelligent. Je vous explique la situation. Vous entrez dans une pièce et vous vous rendez compte que la personne que vous vouliez voir n'est plus là. Allez-y. Ah là là, la personne que je voulais voir n'est plus là. Non, vous ne parlez pas. Vous le refaites, mais vous ne parlez pas. Bien. Vous refaites, mais... En plus rouge. En plus rouge? Oui. Ah oui! Tac! Tac! Allez-y. Non, j'ai pas dit Bordeaux, j'ai dit rouge. Bon, tant pis. Plus terre, faites-le plus terre. Non, j'ai pas dit mongol. Non, j'ai pas dit mongol. Plus terre glaise, voyez? Bien. Plus terre cuite. Super. Maintenant, terre rouge. Mais j'ai pas dit Bordeaux. Rouge. Bon, écoutez, tant pis, c'est nul. Ah, vous êtes sûre? Oui, j'en suis sûre. Merci, on vous rappellera pas. Ah, bon, je vous laisse pas mon numéro, alors. Non, c'est pas la peine. Droite la chaise, droite. On garde les distances. Droite la chaise. Faut montrer à la chaise qui c'est qui est le maître. D'accord? Faut lui montrer qui c'est qui commande. D'accord? Rappelez-vous,
C'est toi la chaise, c'est moi le maître. 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 Ça suffit. Hein? C'est comme la guitare. C'est moi qui gratte, c'est elle qui chante. C'est moi qui gratte, c'est elle qui chante. C'est moi qui gratte, c'est elle qui chante. Bien, mettez-vous en ligne. Ramenez vos chaises droites. Voilà, mettez-vous à côté de votre chaise. Parfait. Camembert, tu t'avances avec ta chaise et tu me la présentes. Parfait. Bon, alors, c'est une chaise de type bistrot, hein. Ouais. Ça fait, maintenant 15 ans qu'elle est auprès de moi. Parfait. Je la considère un peu comme ma fille. Très bien. Bien, tu retournes à ta place, d'accord? On va faire un exercice. Tu retournes à ta place. Va t'asseoir debout avec les autres et tu laisses ta chaise seule. Il faut que les chaises apprennent à être seules. Une chaise, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas une frite, c'est une chaise. D'accord? Il faut qu'elle reste là où on veut qu'elle reste. D'accord? C'est parti pour l'exercice, go! Et là, oh là, oh là, oh là, oh! Qu'est-ce que je viens de dire, là? Hein? Alors, de l'autorité. C'est toi la chaise, c'est moi le maître. C'est toi la chaise, c'est moi le maître. C'est toi la chaise, c'est moi le maître. Vas-y, c'est toi la chaise, c'est moi le maître. C'est toi la chaise, c'est toi le maître. C'est toi la chaise, c'est moi le maître. C'est toi la chaise, c'est toi le maître. C'est quand tu veux, ma fille. J'y vais. Non, mais c'est parce que j'ai du mal à être brutale avec ma chaise. Non, c'est vrai, la brutalité, c'est moche, c'est comme la laideur, c'est moche. Moi, vous voyez, je suis un peu extra-conventionnelle et bon, en même temps, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je sais même pas si ce mot existe, mais... C'est pas mon problème, Camembert. Mon problème, c'est que tu prennes le dessus sur ta chaise. Sinon, c'est elle qui va prendre le dessus dans ton foyer. Et après, il faudra pas t'étonner qu'elle mette des écharpes partout dans les draps. D'accord? Alors, on reprend l'exercice. Et je ne veux pas qu'elle te suive. Go! Allez, tu restes là, hein. Ah là 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 là, ça va pas ça! Tu te calmes! Tu te calmes! Tu te calmes! Tu te calmes! Voilà. Voilà. Tu prends ta chaise, tu la ramènes là-bas. Tu la ramènes là-bas. Voilà. Et tu peux lui faire un petit câlin. Tu peux la complimenter. Comme ça. Eh bien. John, c'est à toi. Eh, vous me séparez les chaises là! Vous me séparez les chaises! Prépuce! Tu possèdes pas ta chaise là, hein? Faut que tu te fasses obéir par ta chaise. D'accord? Faut que tu te ressaisisses, prépuce. Pas grave, mon gars, c'est pas grave, ça arrive. Allez, couchez. Couchez. Voilà. Oh, elle tremble, elle a eu peur. John, tu t'avances. Allez, tu t'avances, doucement. Voilà. Fais-la avancer doucement, voilà. Montre-lui où elle doit s'arrêter, c'est parfait. Très bien. Maintenant, tu t'assois sur ta chaise. Tu t'assois sur ta chaise. Voilà, c'est bien. C'est bon, John, ça suffit, hein, c'est une chaise, hein, c'est bon. Assieds-toi dessus. On n'a pas peur, allez, on n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur, on s'assoit. Vas-y, on s'assoit. Bien. Non, 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 doucement, non. Doucement, doucement. Tu te calmes, tu te calmes, hey, tu te calmes. Hey. Mais laisse ma chaise. Oh, il est décédé. Oh, bah, il est parti jeune, hein. Romain, il faut l'enterrer. Mais oui, mais où? Où va-t-on l'enterrer? Au Père Lachaise. Bonsoir. En 1987, Jean-François Berthier, journaliste d'investigation, ne s'intéresse pas à une cassette qui traîne dans son bureau. Il s'assoit dessus avec les pieds et il a raison. Ce sont les images d'archives des Robin des Bois. Opus 11, en juillet 1987, Festival d'Avignon. Première de Viens dans mon slip, on est déjà quatre. Bon, allez, hein. Allez. Merde, merde à tous, full force. Full force. Le dragon est merveilleux. Le dragon est plein de feu. Le dragon, ah, le dragon. Hein, belle fée, belle fée. Attendez-moi. Que me veux-tu, mon poussin? Je suis pas un poussin, je suis un canari. Poussin, canari. Ce qui compte, c'est que tu sois jaune comme le pipi. Sois jaune comme le pipi, bref. Mais pas comme le... Oh putain, y a personne. Que me veux-tu, jaune pipi? Mais y'a personne. Allez, allez, on y va les gars, on y va, la pêche, allez, allez. Oh, y'a personne. Oh, le cafard.
Et ça me rappelle nos débuts quand on jouait nos premières pièces devant personne. Mais Pascal, c'est aujourd'hui qu'on joue notre première pièce. Eh ben, tu vois, je m'en souviens très bien. Allez, 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 qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous foutez? La pêche, la pêche! Non, mais y a personne! Quoi? Ouais, y a pas grand monde, mais... Non, Jean-Paul, y a pas grand monde, y a personne. Elle a raison. Tu vois, il y aurait 3 ou 4 personnes, ou même 2 personnes. Là, tu pourrais dire, il n'y a pas grand monde. Mais là, tu peux pas, parce que là... Ta gueule, ta gueule. Allez, on continue, les gars, on continue. Non, non, on continue pas, il n'y a personne. Sans mon public, je ne suis rien. Allez, allez, on continue la pièce. Mais on va rien continuer du tout, il n'y a personne. C'est fini. On est foutus, on mange trop. Non, mais le problème... Le problème, c'est qu'il est 6h du matin, c'est normal qu'il y ait personne. Attends, Pascal, Pascal, déjà, il n'est pas 6h, il est 4h. Puis on avait dit qu'on parlerait pas du créneau horaire, hein. Parce que tu vois, on est à Festival d'Avignon ici. Il y a 350 pièces qui se jouent dans la journée. Si nous, on joue dans la journée, qu'est-ce qui va se passer? Personne vient nous voir, trop de concurrence. Là, il est 4h du matin, on est les rois du monde, je suis le fils de Jean Villard. T'as choisi ce créneau horaire parce qu'il était moitié moins cher, c'est tout? Non, il n'était pas moitié moins cher, il était 90% moins cher. En même temps, on serait en multiplex avec New York, il serait 20h. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'on est en multiplex avec ta connerie, là, tu vois. Mais les gars, oh, économisez-vous, économisez-vous. Je vous rappelle, vous serez crevés à 6h, on doit coller des affiches. Ouais, mais moi, je suis déjà crevé comme un pneu, alors... Ah bah, un pneu de tracteur, alors. Bon, allez, les gars, on continue, on y va. Allez, la pêche, tous, on y va. Allez. Ouais, ouais, de toute façon, il a raison, parce que là, tu vois, dans une heure, c'est l'ouverture du métro, il y avait, voilà, l'affluence et tout. Élise, il n'y a pas de métro à Avignon. Okay. Ouais, mais dès qu'il est construit, ça va être l'affluence. Je me casse, salut. Ouais, moi aussi. Bon, gars, salut, Jean-Paul. Les gars, non, revenez, attendez. Non, il faut que je vous dise un truc, voilà. Faut que je vous dise un truc, je voulais pas vous le dire avant, tout ça. J'ai envoyé une invitation à Christophe Malavoie. Quoi? Christophe Malavoie? Il va venir. Et s'il vous voit là que vous jouez pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir. Oh, mais le problème, c'est que je suis fatigué, moi, je veux dormir. Ah, c'est bien, bravo, Pascal, bravo. Alors, on se casse le cul, hein, pour trouver une pièce, une salle, pour répéter. Et vous, mais vraiment, vous êtes des ingrats. Bravo, les comédiens! Ah ouais, bravo! Oh, c'est ma réplique, ça! Oh, merde! Minable! Bon, on y va? Oh, putain! Quoi? Oh, regardez, il y a quelqu'un dans la salle, quelqu'un dans le verre. Merde, on y va, alors, merde, on y va, attends, attends, attends! Le dragon est merveilleux! Le dragon est plein de feu! Soir, le dragon! Le... Jean-Paul, on t'a reconnu, merde. Non, je ne suis pas Jean-Paul. Continuez, ça m'a l'air magnifique. Jean-Paul, on t'a reconnu. Attends, et alors, et même si c'est moi qui viens ici, qu'est-ce que ça peut faire? Faut respectueux du public, la générosité avec le public, hein. Je suis un être humain, j'ai droit au respect. Tu sais, le problème, c'est pas qu'on joue à 4h du matin. Hein. Le problème, c'est que ta mise en scène, c'est de la chiasse. À ce jugement péremptoire, je répondrai ceci. À cette claque tonitruante, je répondrai par cela. À ce coup de testiculaire, je te... Bref, c'est en fait arraché beaucoup de poils et dans beaucoup d'endroits. Durant cette bagarre, nous avons préféré arrêter là ce document. La semaine prochaine, nous vous montrerons comment Élise s'est retrouvée dans un film pornographique à caractère fermier. Bonsoir. Il y a des jours, je crois que je suis... Il y a des jours, je crois que je suis meilleure boulangère qu'actrice, mais je suis actrice.